Ce conducteur de moto-taxi, bien qu'étant en règle, ne cache pas son mécontentement quant au traitement à lui infligé par les agents de la mairie. Arrêter une moto pour lui signifie gagner de l'argent. Mais maintenant, celui qui t'arrête également est d'une violence extrême. Comme lui, nombreux sont ces conducteurs qui subissent le même sort. Un véritable calvaire reconnu par cette note préfectorale relative au paiement des taxes communales. On reconnaissait d'aucun parmi eux, pas tous. Mais le problème aussi est qu'ils ne formaient pas bien leur argent pour venir faire ce métier-là. Bondir sur les motos, saute sur les motos, renverse les motos avec les passagers et tout le consort. Du côté des conducteurs de taxi, la tendance est similaire. Selon eux, les agents communaux vont généralement au-delà du rôle qui leur est assigné. Ça se passe très mal parce qu'ils agressent trop de gens, ils sont trop bruyants. Nous vivons tout ça au quotidien. Mais il faudrait aussi que nous fassions des efforts à être aussi plus responsables. Un conflit permanent, décrypté avec lucidité par le leader des conducteurs de moto-taxi. Des brebis galeuses qui font les contrôles, qui outrepassent les missions qui leur sont assignées par les mairies. Demander l'impôt libératoire et la vignette unique, maintenant se mettent à mélanger les pédales en demandant la carte grise, le permis de conduire, ce qui relève exclusivement de la compétence du ministère des Transports. C'est monsieur tout le monde qui prend la moto, nous avons des étrangers qui n'ont pas de papier, nous avons les bandits qui, face à un contrôle, tout ce qui lui reste à faire c'est de fuir. S'il est vrai que la note du préfet met le doigt sur la problématique réelle, son application effective pourrait créer des gorges chaudes.